Hello, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, comme prévu, elle accouche en début d'épisode et nous avons un garçon. Alors on ne sait pas encore est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est accompagné, est-ce que voilà. Bon, pour l'instant on a un garçon, c'est déjà pas mal. Bon, j'ai envie de te dire au moins un bébé quoi. Mais bon, j'aimerais bien avoir au moins deux ou trois bébés. Minimum deux bébés, ce serait cool pour avancer plus vite dans le challenge. Et du coup, vu que c'est un garçon qu'on a déjà Angelo, Angela, on va l'appeler comment ? Ouais, tiens, on va l'appeler Julien, rien à voir, mais bon, ça changera. Julien Sanchez. Et c'est tout ? Non, et c'est tout ! C'est tout ce que nous avons ! Non, non ! Julien, j'aurais bien voulu un petit Julien, un petit Jules, une petite Julie, une petite Julia. Mais non, du coup, ce sera un Julien. J'ai envie de faire des jeux de mots avec des prénoms, genre faire des choses qui se ressemblent, des prénoms qui se ressemblent. Oh, oh je suis tristesse, nous avons eu qu'un seul bébé. Bah écoutez, on va essayer de la rendre le plus rapidement possible enceinte une nouvelle fois. Ah bah écoutez, on va rentrer. Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Julien t'es mis à la garderie, mais non, pas à la garderie, rentre à la maison. On rentre à la maison, ça va pas, je suis pas contente. On va vite fait la rendre enceinte, dès qu'elle rentre, elle tombe enceinte direct. La pauvre, elle a pas le temps de se reposer. Hein, mais là, franchement, je suis pas contente. Voilà, je suis pas contente du tout. Mince. Mais en fait, vous avez raison, je pense que je vais la faire la prochaine fois accoucher à la maison, puisque vu qu'elle est plus sur son terrain, elle a plus le terrain fertile. Pourtant, la dernière fois, elle avait pas le tri, elle était pas sur le terrain, elle a quand même eu des jumeaux. Bah écoutez, le bébé est où? Il est où le bébé? Ah, il est là. On va le déplacer, on le mettra dans la chambre ici. La chambre des bambins, enfin des bébés plutôt, parce que la chambre des bambins, elle est ici. Bah écoutez, elle est rentrée, il est 14h30, on va essayer de... Bah déjà, si vous pouvez juste changer de tenue, ce serait pas mal. Changer de tenue, on va la mettre sur son 31 pour rencontrer quelqu'un. Alors, soit il y a un homme dans le coin, soit on va demander à quelqu'un de venir. Je ne vois personne. Et elle peut pas quitter le terrain puisqu'il y a le bébé, quoi. Il y a le bébé qui est là, du coup, on va aller voir dans les connaissances. Bon ben... Brent, c'était pas ouf. Hein. On va peut-être demander à Dominique ou Mathieu. Jacques, Julien. Bah, il peut pas venir, c'est un vampire. Au pire, on attend un petit peu. On attend le soir et on va essayer d'inviter le vampire le soir. On va peut-être essayer de l'inviter. Alors, bah, du coup, vu que le bébé est bien, tu vas peut-être faire un tour dans le patelin. T'avais pas fini de récupérer. C'est la fille, elle pense qu'à ça. Elle a pas fini de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer. Un certificat de naissance. Mais je crois que le certificat, on le recevra pas si on l'envoie pas à l'hôpital. Mais bon, tant pis. Hein, les certificats, on les avait mis là. Parce que c'est la chambre de banc. Des bébés. Eh bien. Bon, je pense que le bébé, on peut le laisser là. Quoique non, on va le déplacer. On va utiliser l'argent qu'on a pour faire quelque chose. Alors, toi, tu vas aller là. Hop. Alors, on va le mettre là. On va peut-être... Hop, on a de la place. On va pouvoir le détacher un petit peu. Bon, on va le mettre là. Détacher du mur. Et là, on va mettre... On va rajouter des lits. Alors, si on va là... non, on va aller par objet. Non, par pièce. Par pièce. Pas par objet. Je me repère... Enfin, dites-moi comment vous vous repérez dans les objets. Et moi, je me repère toujours par rapport aux pièces. Je trouve ça plus simple. Ça, tu vas direct dans chambre et tu vas directement sur les lits que de chercher dans la barre en haut de recherche. Et là, du coup, le meilleur lit, une place que nous avons. Non, c'est pas là. Là, c'est les deux. Là, c'est les deux. Voilà, une. Oula. Ouais, dit. Oui, bien sûr, 8500 simflouz, bien sûr. Alors on a 10, 10, 10. Celui-là aussi. Celui-là ça va parce que je dis que je prends jamais les CC, ça vaut pas le coup. Mais là t'as le même prix pour les mêmes caractéristiques, je peux me permettre. Mais sinon 3500, 10, 10, 10. Ouais non, ça c'est un CC et il a abusé 10, 10, 10 à 3500. Lit simple solitaire en bord de mer. Ouais je pense que celui-là 8, 5, 5 il passe.
Vous voyez, Didi, ça, je prends pas, c'est de la triche. Ouais, bon. J'ai envie d'attendre et prendre un lit comme ça. J'ai envie de... Et du coup, attendez, parce que du coup, la maman, faudrait bien qu'elle ait un bon lit aussi, hein. Décoration inspirante. Ah, ça s'est débloqué en atelier, ils vous disent de la carrière peintre. Ok. 10. Ah, celui-là, ça va, parce qu'il est au même prix. Parce que je suis pas super fan de celui-là, en général. 999, 8000 ou 8500. 8500, celui-là est pas mal. 8500, on va économiser directement pour que la maman elle ait un bon lit. Non, ça c'est... Je peux pas. Non, on va économiser pour... Celui-là est sympa, celui de vintage. Il y a quand même pas mal d'objets vintage du pack. Vintage, enfin du pack, du kit. Je crois que c'est un kit. Qui sont vraiment bien. Écoutez, on va se remettre en mode vie, hein, on va économiser de l'argent pour acheter des bons lits. On va faire reproduire des grenouilles. Ah, t'as fait comment pour t'acheter un nouveau lit? Ah bah, je vais faire reproduction de grenouilles. Ah bah, ça pleure déjà. Ça pleure déjà. Allez, tu vas l'allaiter, puis après tu vas l'apaiser. Bon. Quant à vous les enfants, ça donne quoi? Toujours un B, ça va pas. Faut vraiment plus. Après c'est le week-end, quoi. On est jeudi, après c'est le week-end, après c'est mort. Mais comment ça se fait les besoins? J'arrive pas à m'en sortir avec les ados là. Ils arrêtent pas d'être toujours pas bien quand ils rentrent de l'école. Bon, tu me diras, quand on rentre de l'école, forcément on n'est pas bien, mais bon quand même. Bon, allez, va manger en regardant un film. Voilà. Et toi pareil, va manger. Bon, toi, tu t'en es sorti. Ah, il faut lui changer la couche, là. Changer la couche. Et ensuite, tu vas aller faire à manger, servir le dîner. Il ne doit plus rester grand-chose. Boulettes de viande à l'italienne. Je sais pas ce que j'ai avec les boulettes de viande à l'italienne. En plus, chez moi, il va bientôt être midi. Je commence à avoir la dalle, donc parler de vous, ça va pas m'aider. Ok. Ouais, ils sont un peu mieux. Allez, c'est regarder la télévision. Regarder des séries Netflix. Ah, tiens, regarde, continue à regarder un film, toi, parce que t'es toujours pas bien. Et toi, ouais, va discuter avec ta mère, c'est bien. Ah, l'école, c'est nul. Je devais pouvoir commencer à travailler ou à mener ma vie. Est-ce que je peux arrêter l'école pour toujours? Alors l'école enseigne des choses importantes. La société exige d'aller à l'école pour réussir, ne grandit pas trop vite. Ah, choisis entre la deuxième et la troisième. Parce que bon, l'école enseigne des choses importantes. Oui et non, je pense que ça dépend. Mais bon, c'est un grand débat. Ça dépend. Bon, on va faire ne grandit pas trop vite, voilà. Il va carrément dormir, ce sera plus simple. Alors, toi, va prendre une douche. Et va dormir également, voilà. Oula, petit lag des familles, je sais pas ce qui se passe. Ah, on va sauvegarder. On va sauvegarder, parce que la dernière fois, j'ai crash. Et là, si je sauvegarde pas... attention la quinzelle, hein, attention, hein. Ok. Je sais, ton fils pue. Ton fils sent pas très bon. Est-ce que le bébé va bien? Oui, le bébé dort. Est-ce qu'on en profite? Et je pense qu'on va en profiter pour aller... J'ai envie de l'envoyer pêcher, là. Parce que j'ai un peu la flemme de faire le tour des cailloux. Est-ce qu'on l'envoie pêcher?
Ouais, quoique non, elle va rester à la maison bientôt, elle pourra appeler le vampire. Elle pourra bientôt appeler le vampire, en attendant, repose-toi. Voilà, comme ça lui après il va aller dodo aussi. Voilà. Le bébé est bien. Attendez, il est l'heure, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, j'ai pas vu, mais c'est passé tellement vite. Appelle David. Invité à venir sur le terrain actuel. Peut-être que cette fois-ci voudra bien. En plus, elle est enjôleuse. C'est parfait. Allez, viens, s'il te plaît. Est-ce qu'il est d'accord? Ah, va arriver, super. Super. Rencontre d'un vampire. Faut faire les bébés avec un vampire. On... Je sais pas comment. Je crois qu'on a une chance sur deux que les ou le bébé soit un vampire. Parce que l'un des parents est un vampire et l'autre non. Faut direct, elle vient prendre une peau sexy. Est-ce que ça va marcher direct, elle attaque? Lui! Ah non, il est joueur. J'allais dire, il est en joueur, mais pas du tout en fait. Ah, elle prend une poche sexy sur le canapé. Offrir une rose. Ouais, ça marche toujours, même si je trouve ça chelou qu'une fille offre une rose à un mec. Mais bon, pourquoi pas après, hein. Pourquoi pas. Embrasser les mains. Bah dis donc, ça va vite, hein. Ça va vite, technique de drague. Premier baiser direct. Oh mon dieu, mais elle est trop forte, Angel, en vrai. Elle est trop forte. Waouh. Ça allait trop vite, là. Ça allait trop vite. Même moi, j'ai pas compris. Même moi, j'ai pas compris tellement ça allait vite. Essayez de faire un bébé. Oh, mon Dieu. Déjà. Alors, l'autre bébé, là, il est en mode... il fait sa vie, quoi. Heureusement, ça va, il est bien. Il pleure pas, ça va. Voilà. Voilà, le bébé il pleure maintenant. Faire crac crac avec quelqu'un. Ben, je sais pas, donne-lui à manger, non? Elle a envie de faire crac crac, faire crac crac. Mais change-lui de la couche! Oh, la mère indigne, elle préfère aller faire crac crac que de changer la couche à son fils. Oh, t'es en train de penser à Brent pendant qu'elle couche avec David, quoi. Oh, c'est affreux. Regardez une série télévisée romantique. Regardez une série télévisée... romantique, ça veut dire quoi? Regardez la... regardez roman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Flirter avec quelqu'un. Bah, c'est un vampire, il a pas besoin de dormir, qu'il se réveille, wesh. Voilà. Ça a pas compté, je pense qu'il faut genre draguer. Elle a un petit creux, elle a un petit creux. Demande à quelqu'un d'avoir une relation sérieuse. Non. Non. Tu n'auras pas de relation sérieuse. Prends une douche froide. Bah, va manger et ensuite va prendre une douche froide. Oh, tiens, j'ai fait à bouffer, mais j'ai pas mis au frigo. C'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est les boulettes. Oh mon dieu. J'ai oublié de les mettre au frigo. Sorry. I'm not sorry. Prends une douche froide. Ah, les enfants, ils se réveillent. Faut pas oublier qu'ils ont des devoirs à faire. Donc, toi, va prendre une douche. Bah écoute, va manger. Va manger. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à leur avoir un A à l'école, quoi. S'abuser. S'abuser. Attends, ah bah tiens, on va le laisser s'occuper du bébé, hein. On en profite. Ah, lui ça va, il est bien. Lui, il est mieux. Ok, on va laisser prendre le reste. Ah non, on va faire le test de grossesse. J'ai oublié de faire le... ah, j'arrive pas à le sortir. Faut qu'elle fasse le test de grossesse après.
cas, parce que j'ai oublié ce petit détail. Mais je pense que ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Yes, elle est enceinte. Yes. On prend un bain. Toi, fais... fais tes devoirs. Ils sont tes devoirs. Il est où son cahier de devoirs, là? Je trouve pas son cahier. Et elle non plus. Et là, ils sont vos livres. Ils ont saboté mes plans. Ils sont vos livres. Hé hey. Oh, ça se fait, ils les ont jetés à la poubelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire des livres? Franchement, je les vois nulle part. Ils les auraient pas achetés quand même. J'ai même pas de bibliothèque. Ouais, bah écoutez. Je ne sais pas où sont les livres. On va acheter une bibliothèque, on va leur acheter des livres. Hein. Ils vont pas s'en sortir comme ça, moi je vous le dis. Hein. Ah bah non. Hein. Hop, bureau, étagère. Pour les livres. Là, il y a de la place pour mettre une étagère, quoi. Non, ça, non, je suis pas fan, pas pour là. Celui-là est sympathique. Ouais, mi-simflouse, quoi. Ça fait plus bureau. J'ai pas de vraiment belle étagère. Bon, on va rester sur celle-ci. Hein. Ça reste quand même sympathique. Et... Est-ce qu'il y a vos livres dedans? Non. On va racheter... pour les devoirs. Comment qu'on appelle ça, livre de devoirs? Ils sont... Vos devoirs, les enfants. Là. Devoirs. Hop. Alors, toi, hop, t'en as un. Faire ses devoirs. Et toi, hop, pareil. Hein. C'est bizarre, ça, que les livres, ils ont disparu. On va vendre les poissons, parce qu'est-ce qu'ils vont pourrir au bout d'un moment les poissons dans l'inventaire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais vendu le livre. Oh mon dieu. Ok. Moi, je sais qu'elle peut pas faire ses devoirs dans son bain, lol. Ok, ça c'est fait. Le bébé est bien. Ouais, le bébé est bien. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas faire une sieste. Hop là. Ok, si. Elle sort de ton bain, sinon tu auras jamais le temps de faire tes devoirs là. Allez. On fait les devoirs. Je sais qu'on a même pas le temps de faire des devoirs supplémentaires. Ah, c'est compliqué hein, de maintenir les besoins, c'est dur. De maintenir tout ça. Je pensais que ça allait être plus simple, mais à chaque fois qu'ils rentrent de l'école, ils sont pas bien.
Elle est pas bien non plus, c'est ça. Je sais même pas si on aura le temps de finir ses devoirs. Et toi ? Réveille-toi. Faut donner à manger à ton enfant. Bon, elle a fini ses devoirs, elle a une demi-heure de retard pour aller à l'école, mais c'est pas grave, au moins elle a fini ses devoirs. Ah, ça va, il s'est rendormi. Je fasse attention parce qu'elle a un bébé à maintenir en vie, à maintenir en vie, ouais, carrément. Et à se maintenir elle-même en vie parce qu'elle est enceinte. Ouais, bah écoute, vas-y, viens, il n'y a pas de problème, tu pourras t'occuper du petit pendant que... du fils de ton copain, j'ai envie de dire. Ah, mais pourquoi tu manges ça, c'est pourri. Bon, tant pis. Tu vas manger pour, c'est pas grave, un petit peu. Ah, ne pas aider son ami, tiens, tu te démerdes. Ta propre note baissée après tout, bah ouais. Plus de choix, ouvrir. Excellent, gâté, ok. On jette tout ça, mais du coup elle est pas bien hein, parce qu'elle a mangé un truc pourri, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut vendre? Toujours pas déposer de morceaux. On va lui demander de, bah, du coup de continuer hein, son morceau. Hein. Ah, elle veut pas parce qu'elle est pas bien, je pense. C'est compréhensible, hein. J'ai fait manger de la nourriture pourrie. Hein. Et là, je rigole, elle a des triplés. Alors qu'on a déjà un enfant, ça ferait 4 bébés. Vous imaginez? Franchement, moi, je préfère pas imaginer. Je ne préfère même pas imaginer. Voilà, c'est bien. Profitons-en que son ex-copain soit là pour qu'il s'occupe du bébé pendant que elle continue à pianoter. Par contre, elle va pas pianoter longtemps. Hein. Ah, bah, merci, au revoir. Il aura pas supporté longtemps. J'aimerais bien qu'elle monte au moins d'un niveau avant d'arrêter, mais bon. Impression que ça va aller vite, mais en fait, pas du tout. Bon, va aux toilettes. Et ok, les enfants sont rentrés. Ah, toujours pas de A. Pas de A et pas de E. Et en B de moyenne. Et c'est le week-end. Bon bah au moins ce week-end on aura le temps pour leur faire monter la note hein, parce que là ça va pas. Ça va vraiment, mais genre vraiment pas quoi. Finalement, elle avait peut-être pas faim. Bon, alors faire des travaux supplémentaires, leur projet scolaire, ce week-end et lundi, je suis sûre, ou lundi ou mardi, ils auront un A. C'est obligé. Il est triste parce qu'il est quoi? Ami en colère, bah ouais. T'avais qu'à l'aider ton ami aussi, hein. La fille qui retourne sa veste alors que c'est moi qui lui ai demandé de pas aider son pote. Mais quoi? Si je veux le rejoindre quelque part. Non. Ah. Ah. Se montrer d'être pécoté, lol. Discuter des acteurs. Bah, ils ont vu le même film, donc ça va. Bon, toi, par contre, faut vraiment que t'ailles nourrir ton bébé au bout d'un moment. Voilà l'été.
Voilà, c'est parfait. Le bébé sera en meilleure forme s'il est nourri, forcément, c'est normal. Et pourquoi tu l'as réveillé? Fallait pas le réveiller s'il dormait. Allez. Servir le dîner. Oh bon, la salade, ça va 2 minutes, hein, on va faire autre chose. Les tilapia frits à la poêle. Voilà. On va l'envoyer dormir. Ah, lui aussi, il voulait faire à manger. Oh, stop. Non, mets pas le feu, s'il te plaît. Mets pas le feu. Bon, du coup, la bouffe, ça va pas être fameux, elle l'a cramé. Excellent. Ah oui, elle a failli cramer la bouffe, mais la bouffe est très bonne. Pourquoi pas? Oh, bébé, mais je t'ai nourri tout à l'heure. Bon, t'as fini tranquillement sa bouffe, hein. Je peux pas acheter. Allez, tout le monde se couche, tout le monde dort. Et on prend des restes. Alors, petit Julien, tu vas arrêter de pleurnicher. Allez, va apaiser ton fils. Toi, va manger. Elle va reprendre des forces, la maman. Pendant... j'oublie tout le temps, mais faut vraiment que je pense à faire ça. C'est faire reproduire les grenouilles. Ça fait gagner tellement d'argent. Et je le fais pas. Bon, vu qu'elle est bien, on va lui demander de faire le projet scolaire. Commencer à travailler soigneusement. Et quant à toi, il a pas de projet scolaire, lui. Il devrait en avoir un aussi. Bah, de toute façon, on va en acheter un. Dans tous les cas, on va en acheter un. Bon, sans simflouze, hein, c'est pas des masses. Hein, c'est une reproduction de grenouilles. Hein. Projet scolaire. Projet scolaire. Ouais, tiens, tu vas faire un château. Je sais pas, ce que tu veux, expérience électrique. Voilà, comme ça vous serez côte à côte pour travailler, c'est parfait. Ça travaille soigneusement. Allez, c'est parti, on travaille. Là, j'aurais de la place pour le mettre ici, mais c'est vrai que les projets scolaires, je trouve que ça prend beaucoup trop de place. Ils auraient dû faire genre une case pour le projet et une case pour la personne. Voilà, limite les cases de côté s'il y a quelqu'un qui veut venir aider. Et voilà. On va nourrir. Hop, nourrir, allaiter. Écoutez, on va faire de l'argent là aussi. Hein. Voyez la maman un petit peu gagner de l'argent parce que j'aimerais bien acheter le lit. Au moins pour la maman pour qu'elle se repose mieux et ensuite pour les enfants aussi, enfin pour des lits, une place quoi pour les ados et les adultes. Le bébé dort, les ados font leurs devoirs supplémentaires. Elle est en train de tout prendre. Je rêve où elle est habillée. Pourquoi elle est habillée en tenue d'hôpital? Pourquoi elle se promène habillée en tenue d'hôpital? On dirait qu'elle s'est évadée d'un nazi psy, quoi. Mais non, pourquoi? S'est évadée, lol. Elle s'est évadée. Faites quelque chose.
triste. Hop, après tu vas lui changer la couche. Est-ce qu'elle peut l'aider? Aider, bah tiens, va l'aider. Cool. Oh. Le pauvre bébé, quoi. Le pauvre bébé. Elle est pas bien, elle est pas bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même un petit moment. Les épisodes en ce moment sont un peu plus longs, mais j'essaye d'avancer un peu plus dans le... Voilà, parce que je sais déjà qu'il va durer pendant très longtemps, hein, ce challenge. Mais je veux pas non plus qu'il dure 3 ans sur ma chaîne, hein. Donc les épisodes sont un peu plus longs, mais vous inquiétez pas. Je vais essayer de revenir aux 25 minutes environ. Je pense que 25 minutes, c'est un peu l'idéal. C'est ni trop long, ni trop court. Ça passe, quoi. C'est la moyenne. Et bien, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. C'était beaucoup de farm. C'est pas passé super grand chose d'intéressant, mais bon. Voilà, on va rentrer... Au bout d'un moment, on va rentrer dans une certaine routine dans le baby challenge où ce sera à peu près toujours la même chose. Hein. Il va falloir toujours s'occuper des nouveaux bébés, des imprévus, etc. J'espère que ça vous plaira quand même. Et sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.